Bonjour! Aujourd'hui, je suis chez Sora, les gars, encore une fois, parce que c'est ma deuxième maison. J'attends toujours le double des clés, en plus. Car j'ai un concept sympa, il va être pris au piège. Le voici! J'ai pas eu le temps de t'annoncer, tu fais chier, dégage, s'il te plaît. Dégage! Non, mais s'il te plaît, j'ai demandé d'avoir un double des clés! 5 minutes later. Aujourd'hui, mec, un concept qui va bien te faire yesh. Je vais aller missionner. Oh, je vais avoir des pieds. Ah oui, c'est vrai que t'es phobique des pieds. Ah aujourd'hui, j'ai envie de te faire chier. J'ai envie de juger ton TikTok, mec. Bah, il est pur, donc y'a aucun problème. Non, je pense pas. Si, si, moi je pense que c'est. Ah ouais? Ouais, moi tu vas genre, il est pur ton TikTok? Aucun problème avec le TikTok. T'as chaud? Fait chaud là. Et bah, ouais. Justement, on va voir ça. Et oh merde, excuse-moi, mec, faut que je te laisse 2 secondes. J'ai un truc à faire. Il y a... Attends, je crois qu'il y a. Ah, est-ce que ce serait pas un mauvais scénario d'un truc sponsorisé? Ah si, totalement. Très allez, bien. Que Sora m'en voudra pas, j'en ai pour 2 minutes. Vous savez ce qu'on fait? L'anniversaire de Red Shadow Legend. Oui, j'ai percé. Qui ne connaît pas Red Shadow Legend? Sérieusement? Vous l'avez pas assez vu sur YouTube? Par contre, attention aux âmes sensibles, ce jeu est très addictif. Red Shadow Legend est un RPG gratuit et dispo sur PC et mobile. C'est un jeu de rôle et de stratégie qui joue autour. Vous invoquez des monstres et les ferez évoluer afin de les rendre plus puissants et tout massacrer sur votre passage. Moi, tu me parles de massacrer du people? Je suis très contente. L'une des grosses forces du jeu pour tous ceux qui sont comme moi, qui apportent beaucoup d'importance à leur personnage, sachez que vous avez le choix entre 400 champions! Ça fait du monde. Il y en a pour tous les goûts, sachez-le, humanoïdes, elfes, orques, hommes lézards et morts vivants. Et j'en passe! Autre chose que je trouve cool dans le jeu, c'est la diversité des contenus. Pour avancer dans le jeu, que ce soit les donjons, les champions, les animations, les équipements et plus globalement, le monde de Teleria que nous devons sauver à tout prix au péril de notre vie. Et vous y découvrirez, je n'aime pas ce mot, je n'aime pas ce verbe, découvririez de nombreux events et tournois hebdomadaires. Et un bonus, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Allez-y, venez les gars. Soyez pas timides, soyez pas timides. Red Shadow Legend, faites ses 2 ans. C'est bon les gars, vous pouvez partir. Merci, salut, salut, salut. Pour le 2e anniversaire de Red Shadow Legend, vous y découvrirez des événements uniques et exceptionnels. Le jeu propose 6 semaines consécutives d'événements et de tournois d'anniversaire allant du 1er mars à la mi-avril. Et avec ceci, de nombreux prix à gagner. Le jeu lance même leur tout premier tournoi clan contre clan. Et hop hop hop, si cela ne te suffit pas, parce que tu en demandes encore plus, tu as le droit. Ils lancent également leur premier champion de la faction Shadow King. King. Ouais, tu connais mon accent de... Voilà, j'ai toujours mon accent pourri. Moi, je dis, c'est le moment de se créer un compte. Attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous voulez obtenir une énorme longueur d'avance dans le jeu, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description et vous obtiendrez votre champion épique gratuit, Jotun, je ne sais pas le prononcer, et alors, 100 000 d'argent, 50 gemmes et les 3 éclats antiques pour que vous puissiez invoquer d'impressionnants champions dès votre entrée dans le jeu. Eh, on se fout pas de votre tête là, non? Attention, les récompenses ne seront disponibles que pour les 30 prochains jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. Donc, je vous conseille de cliquer sur le lien dans la description. Et pour ceux qui y jouent, indiquez-moi dans les commentaires votre champion favori. Bref, rejoignez-moi et choisissez votre clan. Bon, moi j'y vais parce que Sora va faire la gueule. Salut! Elle va arriver d'un portail comme si l'intro était finie et qu'elle revenait. Regardez, attention, 3, 2, 1... C'est bizarre, j'étais pas habillée pareil du tout. Oh, mais c'est fou, hein. De toute façon, je préfère ma vie d'aujourd'hui. Donc ça tombe bien. Incroyable, ah, vraiment. C'était ouf, hein. De plus en plus nul. Oh, Naruto, t'aimes beaucoup. Stylé de ouf. Oui, c'est stylé, mais du coup, t'as une. J'ai beaucoup de mangas. Est-ce que t'as beaucoup, ouais, j'ai beaucoup de mangas. Okay. Bah, en même temps, forcément, j'aime trop, je regarde tout le temps. Non, tu vas pas sur le mien, putain. Quoi, tu regardes quoi, toi? Bah, il y en a beaucoup, enfin, énormément de SNK, moi aussi. Ah ouais, non, moi, j'ai mis pas intéressé à chaque fois. Trop dangereux, trop dangereux. Ok. Ah, c'est du natto, c'est dame dégoûte, ça, c'est horrible. C'est quoi? C'est le truc que Louis me faisait tout le temps bouffer, là. C'est japonais? C'est, ouais, c'est des. Alors, je sais plus ce que c'est des. Non, je crois que c'est du soja fermenté. Un truc moisi et ça dégoûte, c'est horrible. On dirait du vomi un ouais, peu. On dirait vraiment du. Vomi collant. Je sais pas, c'est trop chelou. Ça me dégoûte. Elle l'avait caché dans un œuf. Oh, tu regardes des trucs mignons aussi? Bah, bien sûr. Que ça doit être mignon. Parce que moi, j'aime beaucoup les l'espoir, la vie. Le... Ouais, voilà. Les beaux messages. Et qu'est-ce qu'elle a reçu du coup? Oh, pas. Elle a l'air tout émue. Ah, une clé. Genre, attends, elle a une voiture. Oh non. Ah, c'est incroyable ça! De faire t'ouvrir un vieil Kinder tout claqué, te retrouver avec une voiture au final. Moi j'ai dû me l'acheter, ma voiture elle était pourrie en plus. Ouais, moi aussi. T'as pas le permis. Non, j'ai pas le code. En fait, regarde mon TikTok, il est archi oh, safe hein! Mon ami de TikTok! Ah bah, c'est celui qui m'a appris à danser. Et alors, du coup, tu nous refais une petite démo? Ouais, bien sûr, là, tout de suite là j'arrive. Okay, c'est marrant.
Putain, je l'ai vu celui-là, mais en fait, on a le même petit peu que ça pue la merde. Mais ouais, mais regarde, en fait, franchement, je t'ai dit, hein. En fait, avant, il était moins pur, mais j'ai appris qu'il y avait le bouton pas intéressé. Tu restes appuyé, mais pas intéressé. Putain, et du coup, tu as purifié. Merde, j'aurais dû la faire bien avant. Bien sûr, je l'ai purifié. Et t'as que des trucs comiques maintenant. J'ai des trucs comiques, un peu de danse, mais ça va, tu vois. J'ai rien de bizarre. 12 seconds later. Ah, si. Bah, ah, t'as oublié de mettre pas intéressé. Mais je regarde juste pour me. T'as pas oublié de. Tu la connais celle-ci? Pas du tout. What? Elle a Attends, elle est trop drôle. Ah oui, c'est... alors elle est somnambule, mais elle te fait des trucs, mec. T'as jamais. Comment ça, elle est somnambule? Elle est somnambule, mais à un niveau. Elle fait que des trucs où c'est abusé. Putain, mais je trouve ça horrible. Mais t'imagines, tu regardes la cam, elle est au milieu de ton salon comme as, mais c'est affreux. Et moi j'étais somnambule à un moment. Ah ouais? Ouais, et je fais des grosses crises de somnambulisme, genre. Ah ouais? Bien sûr, quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais 10-12 ans. Moi aussi j'en ai fait. Et en fait, genre il y a un moment, je vais me coucher tranquille, tu vois, à la base, machin. Et quelques heures plus tard, mes parents ils entendent du bruit dans ma chambre. Et en fait, avant, ma chambre, quand tu rentrais, à gauche t'avais un bureau. Et en fait, ils entendent du bruit, donc ils ouvrent la porte et ils me voient comme as, genre en position Spider-Man, tu vois, sur le bureau. Et genre, ils allument la lumière. Et moi je me réveille, ils disent Maxime qu'est-ce que tu fais? Et j'étais là genre bah je sais pas, qu'est-ce que je fais ici, j'en sais rien. Moi je sais que j'ai fait un très court laps de temps des crises de somnambulisme. Et j'allais aux toilettes et je me réveillais aux toilettes. Ma vie était nulle à chier depuis le début. Ah ouais vraiment c'est pas ouf quoi. Mais je m'en apercevais pas, c'est ma mère qui m'a dit bah qu'est-ce que tu fais là? Et j'étais je faisais pipi mais genre somnambule. Mais c'est grave drôle. Je sais qu'une copine aussi elle faisait des crises de somnambulisme et elle se levait, elle allait dans la chambre de ses parents, elle s'asseyait et vraiment au bout du lit elle a regardé dormir. Mais c'est horrible ça. Mais elle est bizarre ta pote, what the fuck. T'imagines, tu te réveilles, tu vois ça. Moi je hurle hein. Je sais pas ce que je... Non, je pense que si je connais la personne, je fais tu fais quoi? Non, tu hurles avant. Non, bah tu te réveilles, tu vois une meuf comme as devant toi en train de te regarder dormir. Tu hurles, tu rigoles ou quoi? Je sais pas. Il y a un truc aussi, je me rappelle, j'avais envie d'aller aux toilettes. Je trouvais pas les toilettes dans la salle de bain et je commençais à me dessaper. Et mon père me voit et il me dit qu'est-ce que tu fais? Et je lui réponds, je vais aux toilettes. Et en fait, j'allais pisser par terre dans la salle de bain parce que je pensais que c'était les toilettes. Il m'a arrêté à peu de choses. Ah, je suis mort de rire. Heureusement que t'en fais plus. Mais à un moment, genre vraiment, à un moment, je dormais les yeux ouverts, je parlais en dormant et je faisais du somnambulisme. J'enchaînais les trois. Donc vraiment, un jour, on était dans la maison de campagne de mes grands-parents en Auvergne, donc c'est vraiment genre montagne, un peu seul et tout. Et en fait, on dormait à deux par deux dans les chambres parce qu'il n'y avait pas cette chambre pour qu'on dorme tous ensemble, les cousins, les frères, les soeurs et tout. Moi, je dormais avec mon cousin Antoine. Intéressant comme anecdote. Antoine, on te fait des bisous. On est tous les deux du coup de son côté dans le lit. Et moi, je détestais dormir dans la lumière éteinte. J'aime pas le noir. J'ai trop peur. Donc je mettais une petite veilleuse. Et genre, à un moment, il entend. C'est horrible. Et genre, il se retourne et il fait Maxime, tu dors pas? Genre, tu peux pas éteindre la lumière, s'il te plaît? Parce que j'arrive pas à dormir avec la lumière allumée. Et je réponds. Et genre, vraiment, genre, fourche langue. Vraiment, du fourche langue. Et en fait, il me retourne. Et en fait, il me voit comme ça avec les yeux. Mais tu sais, je dors. Donc j'ai les yeux, tu sais, révulsés. Ouais. Il voit juste le blanc. Et il entend. Il a hurlé, il a réveillé tout le monde dans la maison. Et il a dit, je veux plus dormir avec lui et tout, c'est mort. Flippant. C'est horrible. T'es horrible. T'es flippant, petit, en fait. Mais bien sûr, horrible. Ça c'est bon, ça va. Elle fait une petite danse mimi, tu vois. Ah oui. Ouais, je kiffe trop la danse mimi, c'est grave cool. Non mais tu vois, en vrai, ça va. Oui, ça va. Il y a eu une seule meuf avec un décolleté depuis le début de la vidéo. A few minutes later. Ah, t'aimes beaucoup les danses. Non mais pas du tout, mais vraiment. A few moments later. Ah, ça c'est... Ouais, j'aime beaucoup la danse en fait. Ah, t'aimes beaucoup ouais, moi j'aime beaucoup, tu sais, la danse, les chorégraphies. Il y a quelques pépins en fait dans la pureté de ton... En vrai, ça va, c'est juste une meuf qui danse. Bah, en vrai, ça oui, va. C'est juste... Franchement, danse, en vrai... Elle est jolie, en vrai... Ah, bah, elle danse, elle est jolie, il y a... Non mais en vrai de vrai, là, on a eu que des meufs qui dansent. En vrai de vrai, j'ai pas eu de... Ça fait 12 fois que je dis en vrai. En vrai de vrai, la vérité... Sur la vérité. Non mais, j'ai pas de meufs vraiment à poil, archi... Je sais même pas si ça existe, parce que moi, je... Je suis sûr que ça existe, hein. Franchement, TikTok, j'avais fait masse truc en mars. J'ai fait une pause jusqu'à... Ouais. Là, j'ai repris genre il y a 2-3 mois. Et franchement, quand j'ai repris, j'avais masse meufs à poil tout le temps. Mais vraiment, elle twerk en string et tout, genre abusé. Mais franchement, là, ça va. On va aller faire un micro-tour pour voir, moi. J'avoue, on va comparer. Parce que tu parles. Ça se trouve, t'as que des mecs à poil sur ton non. TikTok, hein. Ah ouais? Non, je pense pas. Je crois pas. J'espère pas. Non. Ah ouais? J'ai beaucoup de manga. Il est impur, ton ouais. TikTok? Il est pur, mon TikTok. Genre, ah ouais? Attends, je suis curieux. Mais attends, c'est une blague. Attendez, vous voyez pas ce que je veux, là. Dès qu'on a fini de rec son écran, vous voyez pas ce que je
Tu crois pas, c'est scandaleux ce qui se passe. Je vais le montrer parce que. Non, mais moi je suis tombé dessus par hasard quoi en plus. En vrai, en soi, non, c'est juste une nana qui danse encore. Mais c'est rigolo de se dire, elle est jolie. C'est vrai que. Enfin, elle joue assez. Elle est un peu. Elle a une robe un peu courte. Moi je pourrais pas. Je suis pas mais... à l'aise avec ce genre de robe j'en ai, mais genre, en fait, c'est marrant qu'on voit que des trucs drôles et tout. Et genre, on arrête de filmer et il y a une meuf en robe archi courte qui est en train de danser une petite salsa là. Ça me fume. Tu vois, et là, juste avant. Bon, ça va. Bah, je veux bien être un Jedi. Tu veux bien être le bâton. C'est le bâton de Jedi. Comment on appelle ça, l'arme de Jedi? Le sabre laser, là. Tu voulais être le sabre laser de la madame. Le bâton Jedi. Le... Attention, le test de pureté de mon TikTok commence maintenant. Alors, c'est quoi les bails? Moi, je vais switcher parce que j'ai flemme de regarder les trucs. Là, moi, je veux voir les vrais bails. Mais t'auras pas des mecs à poil. Si, c'est évident que si. Ah, j'ai beaucoup d'animaux, moi j'aime beaucoup les animaux. Chats. Oui, c'est les BTS aussi. Waouh, stylé. Mais en fait, je savais pas que t'étais vachement orienté K-pop, manga et tout en ce moment. J'aime beaucoup les. J'ai toujours aimé les. Et les chats aussi, l'univers des chats. J'aime beaucoup l'univers des chats. Un TikTok sur trois, c'est des chats quoi. Mais j'adore, regarde, c'est trop mignon. Oh, regarde. Moi, c'est trop mignon ce que je regarde. Tu fais lui. Il fait sa vie. Comment tu veux pas rire avec les chats? C'est pas trop drôle mais les chats. Quoi? Moi en vrai hein, je vais dans le salon, Tsuki il est comme ça sur la table, je câble hein, je vrille. Il te dit bonjour. Maître. Bonjour maître. Comment allez-vous? Vous désirez-vous un petit peu de thé? Genre incroyable. Ah? Je connais pas. Ok. Bah pourquoi t'as liké? Je like pas. T'inquiète meuf, t'inquiète. Bah écoute, en vrai je swipe et en fait la plupart du temps c'est soit du chat, soit du chien, soit des BTS, soit du manga. Donc en vrai il est pur de ouf le tien aussi hein. Tu parles de mien mais le tien est pur hein. J'avoue je suis pur. Ouais, non mais je sais pas, ils font des trucs chelous les gens tu vois, sur les SNK, je sais pas. Je comprends pas. Est-ce que tu aurais une certaine attirance envers... je vois pas de quoi tu parles, c'est des gens, ils n'existent pas, je vais pas crocher sur des gens qui n'existent pas. Ouais, enfin meuf, c'est quand même Levi en train de danser. Mais il est pas comme ça, mais il est pas comme ça dans la série, je comprends pas pourquoi ils font ça. Ah, pour le coup. Mais t'arrêtes de mettre des... Bah en même temps meuf, tu regardes ça, donc je like. Mais j'ai pas de make-up. Donc en fait, t'as un gros problème avec SNK en fait. Y'a un truc peut-être à mettre au goût du jour quoi, enfin c'est... J'allais voir. Ah mais j'ai un problème. En fait, Levi c'est 1 sur 3 TikTok quoi. Mais non, c'est. Mais si! Non, regarde, t'as mais je comprends pas ce que c'est! Non, mais c'est SNK, c'est que j'aime bien, c'est tout. C'est trop stylé! Bah écoute, je me suis fait une petite image un peu plus précise de toi, ça me fait plaisir, là. Mais génial, parce que je découvre, même avec. On a fait combien de temps qu'on se connaît? 3 ans? 4 ans? Depuis fin 2017. Donc, ouais, 3-4 ans. Ouais. Bah je suis en train de connaître des nouvelles petits traits de ta personnalité. J'adore la série. En fait il s'est pas trop attardé en fait. Il pensait que voir des torse nus mais il a pas fait gaffe. Bah si j'ai vu lui avec torse nu H24. Mais putain mais n'importe quoi. Mais très bien. En fait je suis dégoûtée parce que ouais ton... Tu pensais qu'il allait avoir que des meufs à Walp. Qui tente. Et au final, pas du tout. Et bah, ça me fait plaisir. Tu vois, je suis pas si impur. Non, tu pensais que je suis arrivé au mauvais moment. En fait, j'aurais dû faire cette vidéo beaucoup plus tôt. N'importe quoi. Il a mis beaucoup de désintéressés avant qu'on lance la vidéo. Non, pas avant que je lance la vidéo, mais il y a des mois de ça, tu vois. Genre, quand j'ai ouvert mon TikTok pour la première fois depuis 6 mois et que j'ai vu que c'était impur, je me suis dit, ah non, faut faire quelque chose, tu vois. Hop. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était nul. C'était nul? Ouais, c'était claqué. Comme toi, en fait. Oh! Si vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, vous pouvez laisser un petit like, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Sora. Sora produit des petits potagers. Il aime la permaculture et il aime beaucoup les fourmis d'Amazonie. N'hésitez pas à aller le voir. Permaculture ? N'hésitez pas à aller le voir. C'est quoi la permaculture ? Tu sais pas ce que c'est que la permaculture ? Attaque de pied ! Non !